Eh bien salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Far Cry 6 pour le 6ème épisode de notre aventure les amis. Nous sommes à la ferme Montero. Avant toute chose les amis, je voulais vous remercier énormément pour vos retours parce que très sincèrement... Oh, je parle! Commence à minuit et il est censé... Ouais, et bah il faut travailler dans la vie, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, les amis, je voulais vous remercier parce que oui, c'est une série qui pour le moment ne fait pas l'unanimité. Voilà, on fait pas des millions de vues évidemment, pas beaucoup de commentaires, etc. Mais il faut savoir que quand j'ai tourné l'épisode 3, j'avais déjà vu vos retours sur l'épisode 1. J'en ai pas fait part, voilà, je voulais pas en parler, mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que même si vous êtes pas nombreux, moi je prends un malin plaisir à jouer, hein, clairement, de toute façon. Même s'il y avait zéro vue, Far Cry 6, c'est quand même quelque chose, voilà, qui me tient à cœur, mais en plus de ça, ben ceux qui sont là, vous me soutenez et moi ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je pense aussi à ceux qui regarderont la série plus tard, une fois qu'elle sera terminée. Donc bienvenue à vous et n'oubliez pas le pouce bleu, voilà tout simplement. On est parti les amis, il faut caresser Chorizo, donc manifestement on va quand même devoir lui faire plaisir. Chose que j'avais dit qu'on ferait pas, mais voilà, je pense que c'est prioritaire. Donc il faut que je lui trouve un délicieux repas digne du prince des toutous. Ça va quoi? Je comprends pas les aboiements. Je croule sous le travail. Alors, chorizo à la dalle. Il faudrait vraiment que je fasse des copies de cette recette. Il faut de la viande de croco, des haricots noirs et de l'eau de rose. Pour le côté sentimental. Et puis, il y a toute une préparation. Très bien. Bon, t'as toujours faim, non? Peut-être que tu m'aimeras si je t'apporte un truc bon à manger. Donc là, les amis, il va falloir faire de la chasse aux crocodiles. Mais j'en ai déjà. Je crois que je... Mais oui! C'était ici qu'on était au début. Oui, mais oui, dans le dernier épisode, on a chassé... Enfin, on a tué un crocodile. Donc, j'ai déjà ce qu'il faut. Les crocos... Normalement, j'ai déjà du croco, frérot. Hein. Tout doux. Je vais te rapporter tous les ingrédients. Il est pas content. Bon, eh bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les amis. Je crois bien qu'il faut qu'on y aille. Donc, on va y aller. Voilà, on va y aller. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut placer un marqueur. Oh, je viens de découvrir. Oh, bah voilà, il y a un GPS. Non, mais attendez, c'est au bout du 6ème épisode que je comprends comment ça fonctionne, le jeu aussi. Faut pas exagérer des bonnes choses. Bon, on va se faire ça. C'est un petit peu chill. Et puis, vous savez quoi? On va aussi se faire cette cible militaire. Voilà. En fait, j'étais con quand même. Dans le dernier épisode, on aurait quand même pu le faire. On aurait quand même pu le faire. Bon, on va y aller. Il y a une écurie là. On va se prendre un petit cheval. Hop. Demandez un cheval. Ah, très bien. Oh là là, on peut... Oh là là, on peut lui choisir de que... Oh là là, ça sert à rien, mais c'est tellement cool. Bah, c'est parti, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, mon beau. Et puis, il est là, il apparaît tout de suite, mais il est génial. Le cheval, c'est trop génial. C'est bon. Allez. Tout va bien. C'est dommage parce que je croyais déjà avoir récupéré de la viande de croco, mais manifestement non. Bon bah ma foi, nous y allons de ce pas. Le jeu est quand même mais très très beau et je comprends toujours pas les critiques. Alors après je peux comprendre, peut-être ça tourne pas chez tout le monde de la même façon, ça peut dépendre de la chance aussi, je ne sais pas. Mais chez moi ça tourne extrêmement bien et le jeu est très beau quoi, c'est du Far Cry. C'est du Far Cry, je veux dire oui, bah voilà, c'est pas du Call of, c'est pas du Battlefield, ils allaient pas changer les textures. Faut pas non plus exagérer. Toudou. Wow. C'est la guerre. C'est la guerre par ici ou quoi? Vous n'avez rien à faire. Ta gueule. Non mais excuse-moi. Tu me parles un petit peu mieux quand même. Voilà, on se fait toujours klaxonner, hein. Ça fait... On se sent quand même bien accueilli par ici, hein. Il faut le dire, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, on y arrive, hein. On est d'ailleurs arrivé. On est là où il faut, c'est parfait. Hop. Et puis, non, range ton arme, connard. Et puis là-bas, on a le camp militaire, on ira plus tard. Là, du croco. Alors, on va juste éviter de se faire aussi bouffer par du croco, éventuellement. Hein, ça peut être pas mal. Alors... Un petit peu de chasse là. Casse la démarche comme... Oh putain, c'est magnifique. Mais c'est que c'est super joli par ici, dites-moi. On s'en fiche, nous on veut du crocodile. Merde. Faut que je fasse gaffe. Oui bah évidemment. Par contre j'en vois un je crois là. Attendez, bougez pas. Et bien voilà. Il y en a même deux. Très bien, il n'y en a pas là. Ok. Ok. J'ai compris ce que tu veux.
On va traverser. Moi, j'ai pas peur des crocodiles. Hein. Faut vraiment être une petite nature pour avoir peur de ça. Hein. Regardez, un petit headshot, ça passe crème. Hop. Ça passe pas crème. Par contre, frérot, t'es chiant. Hein. Ok, intouchable. Dommage. Bon, hop, viande abîmée, ça c'est fait. Je crois qu'il faut que je bute. Ah ! Ah ! Malade ! Putain, je me suis chié dessus ! Attaque ! Comment je fais pour guider ? Voilà, attaque ! Il y en a un autre qui arrive là. Attendez, là je suis vraiment pas bien. Ah non, c'est des poissons. What? Ah oui, c'est des poissons. Très bien. Bon, j'ai récupéré deux viandes. Ça a pas l'air de suffire. Les crocos de belle taille ne manquent pas. Je devrais sans doute explorer le parc. On va continuer, je pense, l'exploration. Ça me paraît assez particulier. Ah, regardez sur le radar. En bas à gauche, on va aller voir. Parce que ça, ça veut dire qu'il y a une cache, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc ce serait pas mal d'aller voir. Alors comment on va faire pour monter? Est-ce qu'on a un grappin? Je ne sais pas, on va voir. Juste faire gaffe aux crocos encore là. Ok, c'est bon, on va pouvoir monter par là. Parfait. Mais par contre, j'ai pas compris là, j'ai récupéré du croco. Pourquoi la mission ne se update pas? Je comprends pas. Attendez, j'ai dépassé la cache. C'est pas grave, on va redescendre de toute façon après, je pense. On va juste monter, voir ce qu'on a là-haut. Bon, ça fait du bien parce qu'on commence cet épisode de manière un petit peu chill. Et ça change un petit peu. Ok. Bonjour les poules. Très joli par ici. Qu'avons-nous là? Récupérer le coq. Rassembler tous les coqs de Yara pour pouvoir participer à des combats de coqs à la ferme Montero. Mais tu déconnes, il y a des combats de coqs? Mais sans déconner, mais il y en a 19 à récupérer pour pouvoir faire le... C'est incroyable. Et alors là, par contre... Oh! Rappelez-vous, on a récupéré... Qu'est-ce que c'est que ça? Julio, je pars à Esperanza pour te dire... Naninana. Ok, c'était les lettres qu'on avait déjà lues. Les lettres d'amour et tout. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Hop, ça dégage. Hein. Attendez, on va juste monter encore. Parce que je vois que je pense qu'on peut encore... Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, honorer l'idole. Amen. Incroyable. Oh, matez-moi ce... Oh, c'est magnifique. Ah, les gars, on va pas parler chinois. C'est quand même magnifique. Et nous, on vient de là-bas, je crois, je reconnais. Il me semble que nous sommes arrivés par là. Bah oui. Et ça, c'est la base. On va y aller là pour un petit peu foutre le bordel. Ouais, ok, très bien. Très bien, attendez. Parce que j'ai vu qu'il y avait une cache aussi là-bas. Alors si on peut prendre la tyrolienne. Non, ça apparaît pas. Bon, je vais descendre les gars. Je vais descendre en parachute. Parce que je suis vraiment un beau gosse. Et, ah bah elle est là la cache, regardez. Oh putain. Ah yes. Ah bah j'ai tout foiré, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Hop, tout va bien. Il est toujours à la chasse, lui. Hein. J'arrive pas à le fumer. Hein. Voilà. On va le récupérer. C'est dommage qu'il n'y ait plus l'animation de dépeçage. Hein. Voilà, objectif terminé. Je savais bien. Je savais bien qu'il fallait qu'on se termine. Ça me paraissait un petit peu suspect. Bon, bah on avance. C'est parfait. Mais du coup, je comprends toujours pas... Chorizo va être comme un dingue avec cette viande de croco. Oui. Je comprends pas comment accéder là-haut, là. Salut, Philly. J'ai de la viande de croco pour chorizo. Si ça sent comme sous les bras d'Espada, alors il l'adorera. Chorizo est pas un peu trop petit pour aimer la viande de croco? C'est une histoire de dingue! Carlos élevait des bébés croco et Chorizo en a carrément pris un sous son aile. Ils jouaient ensemble, mangeaient ensemble, comme une famille. Un jour, je l'ai trouvé avec la queue d'un bébé croco dans la gueule. Quoi?
cognon. J'ai pas l'habitude des prières et tout ça. Quand Chorizo a faim, il fait pas dans les sentiments. Il est complètement barré ce mec et j'adore. J'adore les gens qui sont barrés comme ça. Allez, j'ai réussi. Je suis assez intelligent. Alors, on prend la petite cache. Équipement pied, c'est des bottes. Oh, très bien, tout ça pour ça. En fait, c'est pas une cache DFND, hein, j'ai complètement confondu. C'est juste des petits collectables, très bien. Bon, les amis, sans perdre de temps. Est-ce que sincèrement, on va y aller là. On va lui livrer à ce toutou. Mais d'abord, les gars, si on est juste à côté, autant en profiter. On va se faire cette station météo de Cortina, qui est une cible militaire. On va... Donc c'est une base DFND, on va évidemment la capturer, c'est parti. Hop. On est parti les copains, ça va être assez sympa. Il y a encore plein de crocos, on va les laisser tranquilles. Tant qu'ils ne me font rien. Très bien. Adieu. 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 Ne te retourne pas. On se retourne pas, je vais me faire bouffer. Voilà, c'était... C'était de toute évidence logique. Voilà. Allez. Range ton arme. Oh là là. Je ne suis pas témoin. Je ne suis pas témoin de ce qui se passe. On va essayer de s'infiltrer. Mais bon, si ça part en cacahuète, tant pis, c'est pas bien grave. Alors. Un hélicoptère. Oh là là, un hélicoptère. Mais je veux. Deux gardes. Un garde. Repéré. Un sniper. Très bien. Est-ce que j'ai des infos sur lui? Ouais. Ok. Alors. Bon, c'est bien parce qu'on a un petit point de hauteur. Ce qui m'embête un peu, c'est que je sais pas où sont les caméras. À moins que ce soit ce que j'ai scanné. Guapo, il me fait toujours peur. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule alarme. Si je suis pas trop con. Et si vous voulez mon avis, j'aimerais bien qu'on se concentre dessus. Faut juste pas que lui me voit. On va essayer un truc. Ok, ça marche pas. Je suis trop loin. Ah, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum. Il faudrait... Si j'arrivais à monter... En fait, c'est ça. Il faudrait que j'arrive à monter. Il va falloir faire gaffe. Allez, on y va. Oh. Je m'appelle Manuel Contreras et je suis soldat dans l'armée de Yara. Je n'ai plus longtemps à vivre, je vais mourir à cause du poison que nous pulvérisons sur les champs de tabac. Ils disent que c'est sans danger mais c'est faux, d'autres sont malades comme moi ou sont déjà morts. L'armée essaye d'étouffer l'affaire, si vous lisez ceci, sauvez votre peau et partez tant que vous le pouvez. Personne ne devrait mourir comme ça. Un soldat gentil. Alors, je vais me faire cramer là. Il y a un chien qui a failli me cramer. Alors là. Alors là. C'est une infiltration qui me plaît. Ok, j'ai pas de carte. Putain, ils ont des bunkers. Les petits médocs. Des cartouches. Je suis juste en dessous d'eux. Je vais sortir par où là? Oh. Une clé, les gars. J'ai la clé. Attendez. C'est le moment.
par ici. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme hein, par contre. Hein. Oh, y a plein de trucs. De la ferraille. Toujours des médocs. La cage des FND. De la poudre à canon, super. De la ferraille. Des pesos. Oh là, vraiment. Oh là, vraiment, on se met très très bien. Attendez, les amis. On se met très très bien et j'ai envie de changer mon arsenal parce que très sincèrement, la RPD, ok. Ça, ok. Le pistolet, ok. Mais sincèrement, le lance-flamme, est-ce que je peux pas. Je l'utilise pas, le lance-flamme, en fait. Concrètement, je l'utilise pas. Il faudrait que j'utilise. Enfin, je pourrais utiliser autre chose à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Fusil à pompe, arc, lance-roquette. Non, il y a de quoi faire. Hein. Non, j'ai pas une petite mitraillette. On n'avait pas une. J'avais pas récupéré une petite mitraillette. Pour moi, j'avais récupéré un petit truc. Apparemment, c'était un mensonge. Bon, bah, on va rester comme ça, alors. Bizarre. Exterminateur, qu'est-ce qui lui arrive? Ok, ça, c'est ce qu'on a débloqué. C'est normal. Mon équipement, j'ai des nouvelles bottes, du coup. Ça me permet quoi, d'ailleurs? Équipement poitrine. Non. Ok, je pense que ça change rien. Très bien. Et là, le pistolet, qu'est-ce qu'il a? Ah voilà, c'est ça, à la place du pistolet on peut avoir une mitraillette. Ok, mais c'est pas ce qui m'intéresse du coup. Et ça, ça a l'air d'être mieux. Donc on va l'équiper. Mais par contre j'ai pas de silencieux. J'ai pas de silencieux dessus. Putain. Ah bah c'est pas grave, ça fera plus de dégâts si je suis dans la galère les gars. Ok, on va partir là dessus. Du coup on va rester avec la FAL pour le moment. Et on est pas mal. Ah bah c'est cool en tout cas. C'est une belle infiltration. Alors on va voir par où on va ressortir par là. J'ai un petit peu peur. Pas sûr que ce soit une bonne idée de sortir par là mais... Ah il parle de Clara. Je suis en train d'hacker le système, les gars. On va récupérer des infos. Je vais temporiser là en attendant, les gars. Parce que je le sens pas. Oh, regardez. Je crois que j'ai bien fait. Oh, lui va arriver. Oh merde. Que ce crocodile s'approche pas. Le crocodile va foutre la merde. On va faire un beau truc, les gars. Comptez sur moi. J'ai récupéré d'ailleurs. Attendez. Ok. Ah, j'ai voulu éliminer mais elle est sortie. Ah ok, il faut pas les tuer parce qu'ils sont non armés, d'accord. Genre on s'est fait cramer. Attends, apparemment on s'est fait cramer. Wesh. Genre on s'est fait cramer les gars, c'est quoi ça? Bon attendez. Tout va bien se passer. En fait, si on pouvait détruire l'alarme, ce serait juste mieux. Je pense que niveau infiltration sur ce Far Cry, c'est assez compliqué, hein, si vous voulez mon avis. Je pense que c'est presque mort. Peut-être qu'au fur et à mesure, on y arrivera, mais là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Allô ?
Ils ont découvert, je crois, le cadavre. J'arrive pas. Ah bah, je suis dans la merde. Je mets tout sur le croco. Hein. Bah, l'autre, tu prends l'hélicoptère et. Ouais, genre, arrête, c'est trop. C'est trop. Ça, en vrai, c'est abusé, les gars. Adieu. Toujours plus. Toujours plus. Allez. Allez, descends. Indice de recherche. Attendez, c'est un truc nouveau ça, j'avais jamais, je connaissais pas. D'accord, la présence militaire se fera plus dense. OK. D'accord. Bon là, ça va. Pour le moment, on est encore tranquille. Reviens, papa. Vas-y, ça. Attaque-le là. Par contre, hélicoptère, je suis bien dans la merde. Bien reçu, vas-y. Mira, y'a le feu. Ok. Parfait. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ça va le faire. Bon, pas d'infiltration, mais ça le fait. Elle est où l'alarme? Je sais plus où est l'alarme. Ils sont partis. Ah mais c'est pas l'alarme en fait. Ah mais ils ont pas de truc de renfort, c'est bon. C'est parfait en fait. C'est parfait les gars. Voilà les gars. Mais fallait me le dire dès le début. J'y serais allé bourrin moi. Bon bah les gars, je suis trop content. Parce que pour moi, ça, c'est réussi. Pour moi, les autres, je les ai pas réussis comme je le voulais, mais en vrai, ça, c'était bon, quoi. La station météo, il n'y avait pas de... Bah, il n'y avait pas d'alarme, en fait, tout simplement. Ah, je suis content. C'est chez nous, maintenant. C'est chez nous. Là, on peut appeler le véhicule, très bien. Ah là là, et on a un hélicoptère à disposition, les gars. Oh, ça va être trop kiffant, ça. Ça va être trop kiffant, les gars. Et vous savez très bien que là... On va donner à manger à notre chien, enfin c'est pas notre chien du coup, mais à notre copain chorizo. Et ben on va y aller en hélicoptère les gars, parce qu'on a trop la classe. Et là, on est vraiment bien, on a plein de poudre à canon, pour les silencieux c'est parfait. À 2 km on a une nouvelle base des FND, il me semble que ça... on l'a récupéré grâce à des infos qu'on a eues, je crois. Et là, on a une cible militaire aussi. On a plein de trucs à faire, les gars. Les courses, sincèrement, je pense qu'on s'en fiche un peu, si vous voulez mon avis. On a plein de zones à capturer encore, là, évidemment. Parce que là, ah bah oui. Ouais, je peux pas prendre l'hélicoptère, les gars. Sinon, je vais me faire abattre. Je vais me faire abattre, tout simplement. On a un aéroport ici, un aérodrome, plutôt. Très bien. Ah bah oui, bah, c'est l'atelier de Philly. Ok, bon. Bah écoutez, vous savez quoi, on va se faire cette cible militaire là. Ça va aller très très vite.
ça va aller très très vite. Et vous savez pourquoi? Parce que on va pas y aller par quatre chemins, les gars. On va pas y aller par quatre chemins. Est-ce qu'il va me faire du mal, lui? Parce qu'on a juste un peu capturé la base, quoi. Ah, il s'en fout. Hein. C'est drôle. C'est un peu dommage les faux raccords comme ça. Bah après, sinon, ce serait un peu la galère, mais... C'est-à-dire qu'ils vont pas me causer du tort si je les fais pas chier. Alors que... Tire-toi, avec ton putain de coco. Ouais, bon, ils ont peur de mon croco. Mais ils vont rien me faire alors que j'ai capturé la base juste à côté, quoi. Et ça, c'est drôle. Et ça, c'est drôle. Bref, du coup, là, on va pas faire de l'infiltration, les gars. On va tout simplement péter leur truc et on se casse, en fait. Tout simplement. On va faire comme précédemment. Et on va tout faire péter. Alors, attendez. Par où je peux monter sans me faire buter? Parce que là, j'ai pas le droit. Hein. Attaque! Attaque! Meurs! Meurs! Voilà! Oh merde! Laisse-moi, laisse-moi! J'étais là pour un crocodile! Qu'est-ce qu'il fait lui? Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Tout va bien, tout va bien. Ok, il y a juste ça à détruire, les gars. Je pense que si je choisis dynamite, ça devrait le faire. Dali, l'armée conserve une partie de l'uranium appauvri près des sites antiaériens. Va m'en chercher que je puisse t'offrir d'autres suprémos. Ah bah parfait. Et si tu pulvérises ces canons, tu pourras voler comme un oiseau en liberté dans le ciel de Yara. Regarde bien, Faro. Hop! Ok, ça a pas marché. Pourquoi ça marche pas? Ah bah quand même! Il était temps! Tout ce que j'ai gâché! Bon, ça c'est fait. Alors mon indice de recherche, en effet, on se croirait sur Call of avec ses non sur GTA avec ses indices de recherche. Est-ce qu'on y va ou pas du coup? Hey, qui a tiré? Attendez, on va essayer de se faire un peu oublier. On va essayer de se faire un peu oublier, non? Putain, là il y a l'uranium. Alors moi je vais récupérer l'uranium, les gars. Il y a tout qui prend feu, faut en profiter, hein. En profiter. En plus personne me voit là. C'est juste parfait. Ah là c'est de la vraie infiltration pour une fois. Enfin, on fait du bruit. Merde, mais ils nous voient pas. Enfin là ils vont me voir bientôt là. C'est qui me voit là depuis tout à l'heure? Hop, terminé. Lui, il me causera plus de soucis. Mais c'est pas vrai. Ah, ok. Je le vois mieux. Hop. Pour moi. Voilà, l'uranium c'est fait. Comment on fait pour sécuriser la zone? Parce que je vois personne là. Ah attendez, attendez, attendez. J'avais pas vu ce papier. Hop, cache DFND, parfait. Comme ça on récupère, on pourra trouver de nouvelles caches. Ça c'est pour moi. Bon, ils sont où les méchants? Là, je comprends pas. Ah, il faut aller là, je pense.
Ouais. Attendez, mais c'est safe. On est dans le bunker. Salut beau gosse. Très bien. Eh les gars, je ne comprends pas. On a réussi la mission les gars, tous. En fait les gars, cet épisode se passe tellement bien que je comprends pas ce qu'on doit faire là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gars. Y a... On va aller voir On va aller l'aider elle. Merci. Aucun problème. Voilà. Ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on faisait mais. Ok. Bon les gars, là je ne comprends pas. Je ne comprends pas, on va se téléporter. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a une autre... Non mais je veux pas suivre ça moi. Mais moi c'était ça que je voulais faire les gars. Bon. Les gars, si vous pouvez m'éclaircir en commentaire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, nous avons libéré pour moi la zone, mais apparemment c'est pas bon. On est en combat, ok, très bizarre. Bon. Les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode, les copains. On va pouvoir par contre faire de l'hélicoptère dans le prochain épisode, et ça c'est cool. Et donc vous savez ce qu'on va faire, donc là on va s'en arrêter là. Et puis on va aller au camp pour donner aux chiens à manger, du coup, ce qu'on a récupéré aujourd'hui. Et on va y aller en hélicoptère, puisque maintenant nous avons le droit, et ça c'est cool. Voilà. Et ça c'est cool. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. En vrai ça s'est super bien passé. Mais je ne comprends pas pourquoi la zone n'est pas à nous maintenant. J'arrive pas à comprendre. En tout cas je compte sur vous pour le petit pouce bleu, le petit commentaire aussi, si jamais vous pouvez peut-être m'éclairer. Et puis nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Et par ici. Qu'est-ce qu'il y a frérot? Dis-moi ce que tu sais. Elvis Carballo me lâche pas. Il arrête pas de dire qu'il a besoin d'aide pour aller lui chercher un truc. Tu peux t'en charger ? Merci bien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a des trucs qu'on a encore pas fait ici. Et que il faudrait faire. Je verrai. Soit je les ferai en off, les petites missions. Soit en vidéo. On verra, les amis, on verra. En tout cas, nous, on va continuer notre quête principale pour le moment. Voilà, on va se focus là-dessus. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.